las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella está allá en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra o blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Tu as aidé Rodolfo à s'échapper. Réponds-moi ! Calme-toi, calme-toi, un moment. Je l'ai pas aidé à s'échapper. Oui, c'est vrai, je savais où il était. Mais rien d'autre, Miguel, je le jure, c'est vrai, crois-moi. Il m'a demandé les clés, il m'a fait jurer de le dire à personne, c'est tout. Tu as juré à Rodolfo. Tu as juré après tout ce qu'il t'a fait, mais t'es con ou quoi ? Alors qu'il vient de prendre David en otage. Mais Miguel, c'est son fils. Alors je crois pas qu'on puisse parler de prise d'otage. Et puis je savais pas exactement ce qui s'était passé avec Isadora, ni avec ce type qu'on a tué dans son appartement, et encore moins avec Barbarita. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mais comprends bien que j'ai une dette envers lui. Je lui dois la vie. Il m'a donné un rein, Miguel. Je suis désolé, frérot. Vraiment désolé. Ça ne sert à rien en ce moment. Miguel, calme-toi. Si je suis ici, c'est parce que j'étais venu pour lui parler. Je voulais essayer de le faire changer d'avis pour qu'il se rende et qu'il laisse partir féliciter la ville. Mais il n'était plus là, Miguel. Tu dois me croire. C'est vrai, il n'était plus là. Menteur! T'es un menteur! Tu l'as aidé à s'échapper. Et maintenant, tu vas me dire tout de suite où il sent, sinon... Allez, vas-y, frappe-moi si tu veux. Mais moi, je ne veux pas me battre avec toi. Écoute, je te jure que je ne sais rien. Je ne voulais pas me mêler de ça, Miguel. Tu dois me croire, je t'en prie. Pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi. Qu'est-ce que je fais? Ah, mes mains! Isadora? Isadora! Mes mains, regarde! Qu'est-ce que j'ai, mon Dieu? Qu'est-ce que tu as? Je lui ai bandé les yeux tout simplement parce que je lui ai préparé une belle surprise. Hein, ma jolie maman? Hein? C'est pas vrai? Nous sommes toujours très discrets, monsieur. Bienvenue. Merci.
Eh ben dis donc, je ne m'y attendais pas à celle-là. Un homme avec une femme de cet âge, elle pourrait presque être sa mère. Hein? Non, tu plaisantes. Ce mec, il est blond comme les blés. Il peut pas être son fils. Mais tu sais, j'ai vu des choses bizarres dans cet hôtel de l'amour. Voilà, maman. Personne ne va nous retrouver ici, hein. Rodolfo, où sommes-nous? Quelle folie tu es encore en train de faire! Emma, qu'est-ce qui arrive à mes mains? Emma, regarde, je peux plus bouger mes doigts, Emma, et ça fait mal, ça fait mal. Mais ce n'est rien, ma chérie, calme-toi. Demain, je t'emmène chez le médecin et en attendant, je vais te donner un relaxant musculaire et tu vas voir. Ça va aller mieux. Non, comment veux-tu que je me calme, Emma? Comment veux-tu que je me calme? Sans mes mains, je ne peux plus jouer du piano, Emma. Et sans le piano, je vais être sans musique et je vais tout perdre. Tout sauf Valentina. Emma, qu'est-ce qu'il m'arrive? Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. J'ai perdu tout, Emma, tout. J'ai tout perdu. Je ne pourrai plus jamais jouer du piano. S'il te plaît, ma chérie. Non. Miguel, arrête, s'il te plaît. Tu dois me croire. Je te jure que je sais rien sur Rodolfo. Quelqu'un a parlé, Raimundo. Quelqu'un lui a dit qu'on allait l'arrêter. Oui, mais c'est pas moi. Allez, dis-moi, tu crois que j'allais rester dans la cabane tout en sachant que vous alliez débarquer? Tu crois que je suis aussi stupide? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous l'avez attrapé? Où est David? Hein? Rodolfo s'est échappé. Et maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire, Miguel? Barbarita, mon amour, calme-toi. Maintenant, notre seul espoir, c'est Moraima. Allô? Moraima? Oui, Miguel, c'est moi. C'est un échec. Un échec total. J'ai perdu. Je n'ai pas réussi à récupérer l'héritage de mon papa. Je n'ai pas eu un seul centime. Et maintenant, comment je fais? Comment je vais dire ça à Rodolfo? Jamais il ne va me croire. Non seulement il ne va pas me croire, mais il va garder David avec lui. On a perdu Miguel. On a perdu David. Moraima n'a pas touché l'héritage des Vélez. Et c'est ce dont on avait besoin pour que Rodolfo libère David. Maintenant, on a un gros problème. Excuse-moi, Moraima. J'étais en train de tout raconter à Barbarita. Elle est très inquiète. J'ai très peur, Miguel. Parce que je n'ai pas l'argent que Rodolfo m'a demandé. Je te le jure, j'ai fait tout ce qui était possible au département des successions, au tribunal. Rien. Ça a été impossible, ils n'ont pas débloqué l'héritage de mon papa. Ça, c'est logique, ils peuvent soupçonner que le meurtrier peut être aussi un des héritiers. Comme c'est en effet le cas. Oui, c'est ça. Ils doivent déjà savoir qu'Isabelle est morte. Ils doivent être en train d'enquêter sur Rodolfo. Car c'est le tuteur de David. Oh mon Dieu, et moi aussi. Moi aussi, parce que je suis aussi un des héritiers. Oh mon Dieu. Ils peuvent même imaginer que je les ai tués pour leur argent. Je me sens honteuse. Moraima, on est dans un cercle vicieux. Parce que tant qu'on ne prouve pas que c'est Rodolfo le meurtrier, tu ne pourras pas toucher cet héritage. Et tant que tu n'auras pas cet argent, Rodolfo ne nous rendra pas, David. Oh mon Dieu, Rodolfo ne doit pas être au courant de ça. Parce que sinon, il est capable de faire du mal à mon enfant. On va rester ici combien de temps? Toi, tu te tais et tu restes ici sans bouger. Tu resteras tant que je te dirai de rester. Parce qu'ici, maman, je t'assure que personne ne nous retrouvera. Oui, Rodolfo avait emmené David et Félicité dans la cabane de la famille. Oui, oui, celle des Aristigueta. Et bon, je sais pas, il s'est échappé avant que Miguel et la police arrivent. Maintenant, on a de nouveau perdu sa trace. Bon, Barbarita, il faut qu'on se calme. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je savais parfaitement que ça pouvait arriver. Mais Arturo et moi, on a un plan B. Un plan B? Avec Arturo? Et encore Arturo. Donne, je veux savoir.
Moraima. Moraima, j'ai besoin de savoir quel est ce plan B dont tu parles. Moi aussi, je veux en faire partie. J'ai tout le temps travaillé avec la police et je veux continuer. Très bien, Miguel. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer ce que nous allons faire. Tu as fait tous tes devoirs ? Oui, maman. Et à propos, tu as vu dans mon cahier de correspondance, il est écrit qu'aujourd'hui, il y a réunion des parents. Oh non. Et c'est à quelle heure ? À 5h30. D'accord. Chut. Il dort. Ah. Oh, salut. Salut. Bonjour. Bonjour et au revoir. Hein. On est pressé. Ah. Entre, il est là, et il dort encore. Ah, j'ai un peu honte. C'est vrai que... Il est un petit peu tôt. Mais il va être content que je le réveille. Il va avoir une surprise. Les Mako. Viviana ? Quelle surprise, Monsieur Gaëtan. Je suis contente que vous soyez sortie de prison. Oui, et si Dieu le veut, j'espère que j'en suis sortie pour le reste de ma pauvre vie. Parce qu'être en prison, je ne le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Dis-moi, Paula, excuse-moi de te demander ça, mais Nena, où est-ce qu'elle est ? Monsieur Gaëtan, comment vous dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est que... Madame Nena ! Oh, qu'est-ce qu'il y a, Paula ? Monsieur Gaëtan est ici. Il est sorti de prison, vous voyez ? Gaëtan ? Tu es ici ? Ça alors ? Oui, je suis libre et pour longtemps, Nena. Et je suis venu te demander une chose. Tu ne vas pas encore me demander de revenir chez moi, n'est-ce pas ? Non, je veux parler avec toi d'une chose très importante, Nena. Mais enfin, Jessica, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici, mais... toi ? J'espère que tu vas pas penser que Jessica et moi... Qu'est-ce que tu veux que je pense ? Que vous avez fait l'amour ? Je ne le pense pas, j'en suis sûre. Non, non, attends, ferme-la. Toi, Viviana, s'il te plaît, Jessica, de nous expliquer ce qu'elle fait ici. Parce qu'il s'est rien passé, je te jure, il s'est rien passé. Mais je enfin, sais très bien... Comment oses-tu me dire qu'il ne s'est rien passé ? Quel genre de père ont mes enfants ? Tu n'es vraiment qu'un imbécile. Climaco n'est pas un imbécile, compris ? Si, il faut être un imbécile pour coucher avec une fille comme toi. Attends, Viviana, s'il te plaît, écoute-moi. Arrête, attends, Jessica, arrête, nous ne dira pas ce qui pas. S'est passé ici. Attends juste une seconde, Jessica va nous expliquer. Ça va, Jessica, vas-y, s'il te plaît, Jessica. Mais enfin, mon amour, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je ne veux rien entendre. J'ai rien fait. Oh, c'est pas vrai, t'es devenue dingue, Viviana. Oh, mon amour, n'est dis-toi, pas arrête. Vrai. Allez, attends, Viviana, voir, Viviana, attends. Viviana. Ah, Viviana, arrête, attends, Viviana. Viviana, arrête, s'il te plaît. Attends, Viviana, je te le jure. Pardonne-moi, Viviana, je t'ai déjà dit que je ne ferai plus rien avec Jessica, je te le jure, Viviana. Ne démarre pas. Écoute, Climaco, la seule chose que je veux, non, c'est non. qu'il crève. Mais Viviana, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer, Viviana. Écoute-moi, Viviana. Descends de ma voiture. Non, tu es l'être le plus méprisable que j'ai rencontré non, dans ma vie. Non, je descends pas, je ne descendrai pas tant que tu ne m'auras pas laissé t'expliquer ce qui s'est passé, je Viviana. Je m'en vais, Climaco, je m'en vais, alors barre-toi de ma voiture. Non. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Qu'est-ce que tu non, vas Viviana, encore raconter comme connerie ? Non, Viviana, écoute-moi. Je sais pas ce que faisait Jessica dans mon lit, je te le jure. Tu es la seule femme que j'aime dans ce monde. Je t'aime toi et mes enfants, Viviana. Je te le jure sur leur tête. Ah, mon Dieu. Arrête, Gaëtan. Explique-moi une chose, parce que je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'une entreprise comme Colossal Funchal, qui était très solide, soit maintenant au bord de la faillite, hein ? Comment t'expliquer, Nena ? Rodolfo, malheureusement, le jour où il a été à la tête de l'entreprise, à cause d'une initiative très naïve de Madame Bernarda, a piqué tout ce que notre entreprise avait comme argent. Pour payer les employés, pour... je ne sais pas, moi, pour payer nos fournisseurs, et pour garder l'entreprise opérationnelle. Et tes dollars ? Parce que si je me souviens bien, mon cher Portugais, tu avais un compte secret aux États-Unis et en dollars. Et très fourni d'ailleurs, tu ne vas pas me dire le contraire. Comment t'expliquer ça, Nena ? C'est une histoire encore plus honteuse. On m'a trompé. Un policier corrompu
m'a fait la promesse de protéger la vie de Miguel là-bas en Colombie. Il m'a trompé. Et il m'a volé tous les dollars que j'avais dans une banque à New York. Et en fin de compte, Nella, en ce moment, nous n'avons plus un seul centime. Attends un moment, Gaëtan. Maintenant, tu commences à me faire peur. C'est une vraie tragédie, portugais. Oui, c'est ça. Mais bon, pourquoi est-ce qu'Hannibal ne m'a rien dit? Parce que Hannibal se fout de tout. Mais pas moi. C'est pas vrai. Bon, en fin de compte, je voulais savoir si toi, tu avais un peu d'argent. Nous sommes en train de constituer un fonds commun pour pouvoir faire face à toutes les dettes. Parce que sinon, Nena, nous sommes tous en faillite. Bonsoir, bonsoir. Quelle surprise, regardez qui est venu nous rendre visite, hein. Le colossal Gaëtan Nascimento, propriétaire du colossal Funchal. Très bien, très bien. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu ici, mon cher. C'est un honneur de te recevoir. Qu'est-ce que c'est que ça, Nena? Eh bien... En fait... Gaëtan... Ce peignoir est à moi, non? Eh bien, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment sûr, mais il était dans la maison. Et comme je vis ici maintenant, alors, je l'ai mis. Il me va très bien. À un moment de ma vie, j'ai pensé que tu étais un rêve, un espoir, le bonheur, mais en fait, tu es devenu le pire cauchemar de ma vie. Non, Viviana, tu dis ça sans le penser vraiment, parce que toi, Viviana, tu n'es pas venue jusqu'ici pour me dire bonjour, tu es venue pour me chercher. Oui, j'ai vu un très beau spectacle, hein. Je comprends pas pourquoi je suis venue, pourquoi Viviana, je suis venue, écoute-moi, tout ce que tu as vu, c'est une femme qui dormait dans mon lit, mais je lui avais pas demandé d'être là, je t'en prie, crois-moi. Oh, Climaco, tout d'abord, vous n'étiez pas en train de dormir dans ton lit, vous étiez sur un canapé au milieu du salon, là où n'importe qui aurait pu arriver, aurait pu vous voir en train de faire vos cochonneries. Et puis, qu'est-ce que tu vas me dire? Que vous n'aviez pas couché ensemble, alors qu'elle était à poil à côté de toi, et toi, t'étais en caleçon? Ou tu vas me dire que pendant la nuit, elle s'est mise dans ton lit, et elle t'a dit, je veux coucher avec toi, et toi, tu as dit, d'accord, parce que tu ne peux pas dire non pour non, ne pas Viviana, mettre en doute ta vérité. Non, Viviana, je te jure que c'est pas passé comme ça. Écoute, ma maman et moi, on ne pouvait pas dormir hier soir. Alors, elle m'a préparé un thé, et après, j'ai pris un cachet. Et c'est à cause de ça que je me suis endormie profondément. Elle était très inquiète à cause de David, qu'on ne retrouve pas, et moi, j'étais inquiet à cause de nous, Viviana. Je ne pouvais pas m'endormir parce que j'étais en train de penser à toi et à moi. Crois-moi, Viviana, c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment elle s'est mise dans mon lit, je ne sais pas. Crois-moi, s'il te plaît. Non, je ne te crois pas. Je te crois pas parce que figure-toi que je ne suis pas si stupide. Je sais que t'es pas stupide, mon amour. Je sais que ce que tu as vu dans la maison était très dur. Mais écoute-moi, c'était très dur et moi aussi j'aurais pensé au pire. Mais Viviana, je t'en prie, pense à nos enfants, pense à ces amours que sont Santiago et Emilia. S'il te plaît, Viviana, fais-moi confiance, je t'en supplie, ma chérie. Non, Climaco, je ne veux plus jamais que tu me déçoives et tu ne me décevras plus jamais. Parce qu'en fait, tu m'avais quitté pour elle et après tu m'as dit que tu voulais te remettre avec moi. Mais en fait, c'est faux. Parce que mais tu ne l'as jamais non, quitté, Viviana, tu es toujours amour, avec elle. Alors dégage, Viviana, dégage, non. Casse-toi. Ah, et moi qui attendais que quelqu'un de la famille arrive et nous voit ici tous les deux. Mais j'aurais jamais pu imaginer que l'autre coincé allait arriver. Oh mon Dieu, ça ne pouvait pas être mieux. Génial. C'est super. Je peux savoir qu'est-ce qui te fait rire et pourquoi tu es nue dans mon salon? Non, monsieur Gaëtan, tu ne sortiras personne d'ici à coups de pied. Parce que je te rappelle qu'ici, c'est ma maison. Ha! Bon, c'est vrai que tu as payé l'hypothèque et je t'en remercie, mais... Mais c'est ma maison et je dois malheureusement te demander de t'en aller, s'il te plaît. S'il te plaît? Oh, mais arrête, Jean de Dieu, arrête, je m'en occupe. C'est bon. Mets-moi à la porte, Nena. Vas-y, mets-moi à la porte de ce qui fait notre maison. Moi, finalement, j'étais venu pour te parler des problèmes de Colossal Funchal. Fais ce que tu veux de ta vie, car moi aussi je fais ce que je veux, puisque je vais bientôt me marier avec Trinidad. Et quand tu auras terminé ta lune de miel, appelle-moi pour voir si tu es disposé à collaborer pour récupérer notre entreprise. Bon, très bien, merci de me l'avoir dit, et aussi pour avoir compris la situation. À propos... Il faudrait que l'on s'occupe rapidement de notre divorce parce que nous aussi on va se marier.
Écoute. Hein? Merci. Nena, tu sais quoi? Je te conseille de te calmer. Il ne faut pas que tu prennes au sérieux ton histoire avec ce playboy d'opérette. Ça va, ça va. Et toi, je vais te dire, ce peignoir, tu peux le garder. Il est aussi ridicule sur toi que sur moi. Profites-en bien. Mais ce peignoir, c'est moi qui te l'avais offert, Gaëtan, hein? Oui, c'est pour ça. Au revoir. À bientôt. Et à jamais. Tu as entendu? Bon, mais Nena, je ne crois pas que je suis aussi ridicule qu'il l'a dit, n'est-ce pas? Mais arrête, je ne te parle pas du peignoir, non! Je te parle de ce qu'il a dit! Toi et moi, nous devons nous marier en premier, mon King Kong, parce que je ne veux pas que Gaëtan et Trinidad se marient avant nous! Non, mais écoutez, je peux vous expliquer, je... Écoute, jeune fille, arrête. Celle qui va parler, c'est moi. Je ne sais pas comment était ta vie, ni quel genre d'éducation tu as reçu. Mais nous deux, humbles comme tu nous vois, on nous a appris quelque chose. Que le plus important, c'est le respect. Et le respect pour la famille, surtout. Madame Trinidad, je ne voulais pas vous manquer de respect, je... Ah non. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est rendu compte que tu crois que cette maison est une maison de passe. Écoute, ma fille, on t'a hébergée ici parce que personne ne pourra jamais dire que les Blancs au Guaramato ne tendent pas les mains à ceux qui en ont besoin. Mais là, tu as abusé. Nous ne sommes pas des entremetteuses. Mais bon, je ne vois pas pourquoi vous êtes énervée. Parce que Climaco et moi, ça fait des mois qu'on vit ensemble. Mais arrête, je te parle pas de ça. Je te parle de fierté. Mais c'est bon, ma fille. Je vois très bien que tu ne comprendras jamais de quoi je parle. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle comprenne? Elle ne comprend jamais rien, cette pauvre fille. Mais la seule chose que je veux qu'elle comprenne, c'est qu'elle doit récupérer ses affaires. Et après, elle fout le camp d'ici. Quoi? Mais comment ça? Vous me mettez à la porte? Non. Parce qu'en réalité, si tu penses que je suis un peu dure, tu peux t'imaginer une petite pancarte qui dit « Je te souhaite bon voyage ». Ceci dit, tu prends ton sac tout de suite et tu fous le camp! Ah, je vois. Comme ma carrière s'est effondrée, maintenant je ne suis plus du tout utile pour l'enfant gâté de la maison. Mais je vous rappelle quand même, mesdames, que si un jour Climaco a eu sa minute de célébrité, c'est grâce à moi. C'est aujourd'hui que le destin de l'entreprise se décide. La vente ou la faillite. Pour M. Gaëtan, ça va être très dur. Même chose pour Mme Bernarda et pour toi. Miguel, tous les trois, vous allez avoir mal. Quelle que soit la décision que vous prendrez, elle sera douloureuse. Mais j'étais en train de réfléchir et si c'est toi qui dois t'occuper de tout ce qui concerne l'entreprise, alors tu ne vas pas pouvoir participer au plan conçu pour sauver David. Le plan d'Arturo. Moraima et Arturo. Ce n'est pas seulement Arturo. Je ne comprends pas pourquoi ces derniers temps, tu mentionnes très souvent Arturo. Mon amour, arrête avec cette jalousie, d'accord? Barbarita, qu'est-ce que c'est? Une petite médaille de Sainte Barbara. C'est toi qui l'as achetée? Non. C'est un cadeau de son parrain. Son parrain? Oui, son parrain, Arturo. Ah, Miguel, il me l'a demandé. Et bon, il a tant d'affection pour José Angel et il m'a tellement aidé que je n'ai pas pu lui dire non. Et il est passé ici te rendre visite. Eh bien, oui. Mais ma maman était ici et il est venu hier et... Et il t'a apporté les roses rouges. Barbarita, est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait Arturo avec toi? Hein? Non, c'est vrai, ma Viviana. C'est vrai que je viens de te perdre. Pour toujours. Il ressent quelque chose pour toi? Mais enfin, Barbarita, pourquoi toutes ces attentions? Tu sais ce que ça veut dire, des roses rouges? Je vais tout de suite jeter ces fleurs à la poubelle. Non. Miguel, s'il te plaît, mon amour, ne te mets pas dans cet état. Arturo est ton ami.
Et en plus, il est l'avocat que mon papa a engagé pour me défendre. Et il vous a fait sortir de prison, lui et toi. Je t'en prie, mon amour. Écoute, c'est une personne qui est restée même au pire moment à nos côtés. Ce n'est pas juste que tu te fâches avec ton meilleur ami. Ami? Barbarita, les amis ne draguent pas les femmes de leurs amis. Mais mon amour, s'il te plaît. Arturo était venu voir José Angèle, pas moi. Et en plus, souviens-toi que c'est grâce à lui que notre bébé est sain et sauf. Oui. Oui, je le sais et ne me le rappelle plus. Parce que celui qui aurait dû être là, c'est moi. Miguel, Arturo te respecte. Mais surtout moi, je te respecte, mon amour. Écoute, ne perds pas ton temps avec cette jalousie absurde. Ne te dispute pas avec ton meilleur ami. Et puis la chose la plus importante, c'est de retrouver David et Félicité. C'est bon. C'est bon, Barbarita, mais... j'aurai une conversation d'homme à homme avec Arturo. Miguel! Oh, j'ai l'impression de vivre un cauchemar, mon Dieu. Oh, j'ai mal jusqu'à l'âme. Oh, Rodolfo. Pourquoi tu as entraîné ton fils dans cette horreur? Qu'est-ce que tu vas faire de nous? Eh bien, Moraima, je vois que t'as réussi à toucher l'héritage parce que ta valise est très très lourde. Et j'espère que le maillot de foot que j'ai demandé est aussi dans la valise. Yon Jairo. Ah, je sais. Tu m'as ramené plusieurs maillots dédicacés. Oui. Non, Yon Jairo. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas obtenu l'héritage de mon papa. Et ce ne sera pas possible tant que les causes de sa mort et de celles de sa femme ne seront pas déterminées. Ouh, alors ça, c'est pas bon signe, tu vois, parce que Rodolfo est un malin. Et figure-toi qu'hier soir, il nous a échappé dans rien. Je sais, j'en ai parlé avec Miguel. Mais c'est bien qu'il ne m'ait pas encore appelé parce que je ne saurais pas quoi lui dire. Et on aura plus de temps pour bien mettre au point le plan B avec Arturo. Le plan B? Viens par ici, assieds-toi et raconte-moi ce que c'est que ce plan B, parce que je peux vous aider, tu sais, enfin, vous aurez peut-être besoin de moi. À propos, j'ai l'impression que cet Arturo ne m'aime pas beaucoup. Pourquoi? Dis-moi une chose, c'est le même Arturo à qui j'ai mis un coup de matraque à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Aïe. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, maître Liscano. Bonjour. Mais on dirait que ça ne va pas très bien, non? C'est une histoire beaucoup trop longue à raconter, Roxana. Et si je commence, je suis sûr que je vais encore avoir mal à la tête. Où est Miguel? Monsieur Miguel n'est pas encore arrivé, mais nous pouvons peut-être vous aider. Il est urgent que je lui parle. Essayez de le trouver, s'il vous plaît. Oui, maître. Et alors? Tu crois que c'est faisable? Parce que je ne vois pas d'autre solution. Tu es policier, donc tu peux me dire. Qu'est-ce que je peux te dire, moi? Ben oui, c'est faisable, mais pas infaillible. Il y a quelques détails dans ce plan qui me font un peu douter, mais il peut nous glisser entre les mains. Et manque de peau, je n'en ai plus qu'une. Écoute, sois sérieux. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Mais tu sais, il y a la possibilité que quelque chose ne marche pas. Et non seulement on pourrait perdre Rodolfo, mais aussi cette dame et l'enfant. C'est ce que je pense. Il est très jaloux. Et il a raison de l'être. Parce que le garçon, avec les cheveux longs comme ça, et avec une queue de cheval, ne doit pas t'offrir des bouquets de fleurs, ni des cadeaux. Et alors, qu'est-ce que tu penses, hein? Un homme, c'est un homme, et aucun homme respectable ne supporte que l'on tourne autour de sa propre femme. Oh, tu changes pas, grand-mère. À chaque fois que tu peux le faire, tu défends les hommes. Climaco. Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe? C'est la fin du monde pour moi. C'est la fin du monde. Qu'est-ce qui peut bien venir avec cette tempête? Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? Salut, entrez. Salut. Laisse ton parapluie là, laisse-le là. Oui, c'est pas vrai. Mais regardez qui est revenu. Miss, je reviens me poser là. Bon, commencez pas les disputes parce que ce que j'ai à vous dire est très grave. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis. Nous n'avons plus un sou, Trinidad. La paillote est en faillite. Et pourquoi ça?
Parce que là-bas, la pluie n'a pas arrêté une seule seconde. Il ne passe plus de voitures, plus de camions, plus de taxis, bref, il n'y a plus personne. Et bon, comme en plus, ça fait très longtemps qu'on ne vous a plus vu là-bas. Mais enfin, je te l'avais bien dit que j'avais beaucoup de problèmes ici avec Barbarita. Elle a été en prison, après elle a accouché, et tout était compliqué. Elle était malade pendant l'accouchement, on a tous vécu un calvaire. Et comment elle va maintenant? Elle va bien? Oui, grâce à Dieu, elle va bien maintenant, et le bébé aussi, mais... On est tous inquiets en ce moment parce que le petit enfant qu'elle gardait, tu te souviens? Eh bien, cet enfant a disparu, on l'a enlevé. Quoi? Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre, mais... Je m'en vais, Madame Trinidad. Qui c'est celle-là? Celle-là? Une allumeuse comme toi? Et alors, Chuito, qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que si ça ne s'arrête pas de pleuvoir, on est mal. On ne peut plus tenir les affaires et la paillote. Il se passe quelque chose, Madame Trinidad? Écoute-moi bien. Toi, ce n'est pas ton problème. Et tout ce que je peux te dire, c'est qu'on est tous dans un sacré bourbier. Et même dans cette maison. Rassurez-vous, Madame Tonia, je pars tout de suite. La seule chose que je voulais vous demander, s'il vous plaît, c'est que j'aimerais dire au revoir à Climaco aujourd'hui et pour toujours. Vous pouvez me dire où il est, s'il vous plaît? Je sais pas ce qui s'est passé, Barbarita. C'est comme si la vie m'avait jeté un sort et m'avait condamné à plus jamais vivre avec Viviana. C'est comme si j'avais pas le droit d'être avec elle. Et... Tu me crois, hein? Hein, Barbarita? Tu crois en tout l'amour que je ressens pour Viviana? C'est vrai, j'ai eu une aventure avec Jessica, mais maintenant c'est terminé. Tu me crois, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que je te crois. Mais calme-toi, comme ça tu ne vas rien résoudre. Et en plus, regarde, tu as gardé ton pantalon, il est tout mouillé. Tu vas attraper froid. Barbarita, ce qui se passe, c'est que ce qu'elle a vu là-bas dans le salon, ce sera toujours beaucoup plus concret pour elle que l'amour que j'ai pour elle, voilà. Et alors, dis-moi ce qu'elle a vu, Climaco? Quelle est cette chose si monstrueuse que tu as faite, Climaco Guaramato? Non, attends un moment, non. Non, j'étais en train de dormir et Jessica est entrée dans le salon et elle s'est mise nue dans mon lit. Et moi, j'étais en train de dormir et je m'en suis pas rendu compte, voilà. Oh, Climaco, c'est pas vrai! Mais il s'est rien passé, Barbarita, il s'est rien passé. Je sais qu'hier soir, je dormais comme un noir. Je me souviens très bien que je pouvais pas dormir. Alors maman m'a donné un cachet ou un truc qu'elle m'a préparé et après j'ai... Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais je me suis endormi d'un seul coup. Et je me suis même pas rendu compte quand elle est entrée dans mon lit. Je te le jure, la seule chose que je sais, c'est que je l'ai pas touchée. J'ai pas pu la toucher puisque je me suis même pas aperçu qu'elle était dans mon lit. Tu vois, même moi, j'ai du mal à croire cette histoire absurde, Climaco. Alors tu attends quoi de Viviana? Je sais pas. Barbarita... La seule chose que je sais, c'est que Viviana, c'est ma vie. Je peux pas vivre sans elle, tu comprends? Et pourtant, j'ai essayé. Je me suis mis avec Jessica pour voir si je pouvais la sortir d'ici, de mon cœur, mais je peux pas. Je peux pas parce que je peux pas vivre sans elle. C'est aussi simple. Ah, petit frère. Comment faire pour qu'elle me pardonne, Barbarita? Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle me pardonne? Oh, mon petit. Viens. Vivi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que le monde s'est écroulé, Estella. Et que maintenant, c'est vrai, je ne sais plus quoi faire. Attends, ma belle, attends une minute. Respire profondément et dis-moi ce qu'il y a. Eh bien, même si je suis de plus en plus mal et que je pleure tous les jours à cause de Climaco, cette fois-ci, c'est sûr, je retourne pas avec lui. Mais attends, donne-moi un motif, une raison, quelque chose, quoi, dis-moi pourquoi. Eh bien, après avoir écouté les conseils de ma maman et de monsieur Jean de Dieu, moi, toute belle et toute confiante, je suis allée voir Climaco pour lui dire que je lui pardonnais et qu'il pouvait revenir. Oui, alors? Je l'ai trouvé chez lui, avec Jessica. Ils étaient nus. Ah, mince alors. Oui. Tous les deux nus, collés, serrés sur le canapé du salon, en train de faire je ne sais quelle cochonnerie après toutes les promesses qu'il m'a faites. Et maintenant, je te jure que je ne vais pas lui pardonner. Même si j'en meurs, je ne retournerai jamais avec lui. Je sais pas quoi te dire. Si, je sais ce que je vais te dire. C'est toi le seul responsable! Barbarita, ce serait moi le seul responsable? Oui. Mais oui. Barbarita, c'est moi qui ai quitté Jessica. Et même si elle est super canon et qu'elle entre toute nue dans mon lit, je sais me contrôler et ne pas faire de bêtises. Pourquoi? Pour Viviana. Parce que je lui suis fidèle jusque dans mes sentiments. Ah ouais. Mais résultat, tu as quand même laissé entrer cette fille super canon, comme tu dis, et je l'imagine très bien dans le salon et... Hein? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je lui dise non et que je la foute à la porte? Alors qu'en plus, c'est ma faute si elle s'est faite virer de chez elle. Et en plus, elle a fait beaucoup de choses pour moi et ça, je peux pas l'oublier.
Mais le problème, c'est comment est-ce que je dois faire pour l'expliquer à Viviana, hein? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que Viviana me refasse confiance? Dis-moi! Je sais pas, petit frère. Tout ce que moi, je peux te dire, Climaco, c'est que tu dois assumer le fait que tu sois un homme. Que tu as deux petits bébés très mignons, que tu as des responsabilités et que tu dois laisser de côté l'adolescent que tu es encore et affronter ta vie et décider avec qui. Une seconde. C'est bon, j'arrive. On continuera notre discussion plus tard. Mais franchement, t'as fait une grosse bêtise. Mais enfin, laisse ta valise ici, personne ne va te la voler. Salut, Barbarita, viens ici. Salut, Barbarita. Ah. Excuse-moi, ma chérie, de venir chez toi avec cette fille. Mais c'est parce qu'elle a insisté pour parler à Climaco, alors... Ah, maman, je t'en prie, t'excuse pas. Tiens, chez toi. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Tu es venu constater les dégâts, c'est ça? Tu sais, l'amour éternel, ça n'existe pas. Des princes qui se battent contre des monstres marins, et d'autres princes qui font des milliers de kilomètres pour voler au secours de leur bien-aimé. Ce genre d'homme n'existe pas, ma chérie. Tiens, regarde, Samir. C'est un hypocrite et un sale macho. C'est tout. Oui. Oh, et quand je pense qu'on ne peut même pas prendre un petit verre de vin pour oublier nos chagrins parce qu'on est en train d'allaiter. Je te jure. Non, Estella, moi, rien ne me fera passer mon chagrin. Bon, Vivi... Que faire? J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix et que la seule solution pour s'en sortir, c'est de rester indépendante. Les histoires romantiques à l'eau de rose, c'est fini pour nous. Et maintenant, notre quotidien, c'est les landaux, du talc, des biberons, des couches et du lait. Après, c'est la maternelle, le collège. On va prendre des rondeurs, on va avoir des rides et... Bon, on sera des honorables et respectables mères célibataires, ma petite sœur. Mais voilà. Bon. Cette histoire d'honorable et respectable mère célibataire, c'est un peu trop tôt pour nous, ma belle. Parce qu'on est trop jolie et trop jeune pour ne plus avoir d'hommes. Oh, Estella, c'est pas vrai. Il n'y a que toi qui puisses dire des choses comme ça dans un moment pareil. Et en plus, je veux plus rien avoir à faire avec les hommes. Et pour longtemps. Et même pas avec ton petit frère, pourtant très beau et très mignon, qui voulait m'aider. Car Raimundo pourrait faire un très bon père de remplacement. Écoute. Quoi? Vivi, t'as réfléchi à ce qu'on s'est dit hier? Tu te rappelles? Quoi? Qu'est-ce qu'on a dit hier? Eh bien, mon prêt. J'ai besoin que tu me fasses un prêt, que tu me prêtes beaucoup d'argent pour que je puisse engager un avocat pour empêcher Samir de prendre mon bébé. Oui, l'argent. Climaco, je crois que tu devrais parler calmement avec Jessica. Calmement? Excuse-moi, Barbarita, tu crois vraiment que je peux rester calme après avoir vu comment ta famille m'a remercié pour ce que j'ai fait pour ton frère? Ah, oh, jeune fille, mais arrête de te prendre la tête. Écoute, Jessica, tu ne mêles pas ma famille à ça, Barbarita, d'accord? Barbarita, j'ai perdu mon travail à cause de lui, et regarde comment elle me parle. Ça ne l'intéresse même pas de savoir où je vais dormir cette nuit. Mais si, ne crois pas ça, mon amour. Bien sûr que ça m'intéresse, ma chérie. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec le piège que tu m'as tendu hier soir, tu dois t'imaginer dans ta petite tête que je ne veux plus te voir, et même en peinture. Un piège. Un piège, Climaco. Je suis allée te chercher hier soir parce que je t'aime, et parce que je t'aime vraiment. Mais rassure-toi, c'est pas grave, excuse-moi, parce que tout le monde me traite de la même manière. Au revoir. Mais non... Écoute. Reste là. Pourquoi est-ce que tu vas encore lui courir après? Eh bien... Elle joue avec toi. Alors maintenant, tu arrêtes de tomber dans son jeu. C'est fini, allez. Maman, mais pourquoi... Non, ça suffit. Si tu veux parler avec elle, tu lui téléphones parce qu'elle a un portable, n'est-ce pas? Mais toi et moi, on va parler maintenant et très franchement. Parce que si tu n'as pas eu besoin de fesser quand tu étais petit, rien ne m'empêchera de t'en donner une maintenant. Salut, Arturo. Bonjour, Moraima. Et Miguel? Il est où? Ah, ça fait une heure que je l'attends et je ne l'ai pas vu. Bon, malheureusement, avec ou sans lui, on doit déclencher tout de suite le plan B. Il faut attendre l'appel de Rodolfo. Il doit appeler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu lui balances la paille et on prie pour que ce requin morde à l'hameçon. Écoute, Climaco. C'est vrai, je ne suis pas le meilleur exemple de rectitude et de morale pour exiger quoi que ce soit. Dis pas ça, maman. Ne dis pas ça parce que tu n'as strictement rien à te reprocher. Non, je sais ce que je dis. Parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais j'ai su assumer les erreurs que j'ai commises. Et c'est ça que j'ai essayé de vous apprendre à tous les deux. Ah, maman, dis pas ça.
parce que tu es le plus bel exemple que nous ayons. Hein? Tu es la plus grande fierté des Guaramato. Hein? Je le sais, mon amour, et vous, vous êtes aussi ma fierté. Et j'accepte et je comprends que nous puissions nous tromper. Mais Climaco, j'aurais une souffrance éternelle si j'apprenais que tu as manqué de respect dans la maison de ta tante, et aussi à nous tous, puisque nous habitons dans la maison. Alors dis-moi la vérité. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Écoute, maman, en te regardant dans les yeux, je peux te dire que je n'ai rien fait, je te le jure, sur la tombe de ma grand-mère Barbara. Et tu dois le croire, ma fille. Tu dois le croire. C'est la faute de cette jeune fille qui est toute seule et perdue dans la vie. Qui en plus n'arrive pas à comprendre que ce garçon n'est pas et ne sera jamais pour elle. Je l'ai vu tout de suite. Je n'ai pas de témoin, c'est vrai. Et il n'y a personne qui puisse prouver que j'ai rien fait, mais... Mais c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, c'est à ton cœur de mère de décider si tu me crois ou si tu ne me crois pas. Moi, je le crois, maman. Moi aussi. Peut-être que je n'ai pas un fils parfait, mais j'ai un fils digne et intègre. Et ses beaux yeux noirs n'ont jamais su me mentir. Bon, tous les deux, asseyez-vous. Parce que le repas est prêt et que vous avez besoin de reprendre des forces. Voilà, c'est bien. Donne à manger à David. Et toi aussi, mange. Moi, je vais sortir. Mais toi aussi, tu dois manger, Rodolfo. Regarde-toi, tu es très affaibli à cause des antibiotiques et de la fièvre. Je vais très bien, alors fiche-moi la paix. Je ne te ficherai pas la paix, parce qu'en plus, hier soir, tu as abusé de l'alcool. Allez, encore une leçon de morale. Mais ferme-la un peu, Félicité. Et surtout, je te conseille de ne pas tenter quelque chose. Sinon, tu ne reverras plus David de toute ta vie. C'est toi qui décides. Messieurs, je vous prie d'avoir un peu plus de patience. Nous attendons encore mon petit-fils Raimundo et aussi Hannibal qui vient représenter les Meano. Mon Dieu. Malgré mon grand âge, jamais je n'aurais pensé qu'un jour j'aurais annoncé cette nouvelle. C'est un cauchemar. C'est terrible. Oui, grand-mère, c'est terrible. Et je sais très bien ce que représente cette entreprise pour toi. C'est comme un morceau de ton grand-père. Oui, c'est vrai, grand-mère, mais nous n'avons pas d'autre issue. Ah. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Grand-mère. Grand-mère, excuse mon retard. Ah, ce n'est pas grave. Bonjour, madame. Bonjour. Bien, la séance est ouverte. Je ne vous cacherai pas que cette réunion impromptue nous inquiète, madame. Moi et le reste des représentants des actionnaires minoritaires. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Bien, allons au fait. Nous sommes en train de traverser la pire crise de l'entreprise Colossal Funchal. À un tel point que nous sommes obligés de la vendre. Oh, ouais. Bon, quoi? Sérieusement, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?